Je suis à un endroit que je connais assez bien parce qu'il y a bientôt un an, quand je revenais de l'Ouest, je me suis arrêté ici. Avec Marina, il y a plusieurs semaines, il y a un mois bientôt, on s'est arrêté ici. Et c'est assez cool parce que c'est un petit lancement pour bateau et il y a un stationnement où on peut rester pour la nuit. Et c'est pas trop loin des route principale et à la fois il y a une vue imprenable sur le lac Ontario qui est très très haut à cette époque de l'année et je crois que cette année c'est un des plus hauts qu'il ait jamais été. C'est drôle de voir ici une des conséquences du changement climatique, de voir ça sur un lac en fait, la montée des eaux et il y a déjà des moustiques. Mais là je vais me faire une petite séance de garage parce que je vais faire un check-up complet de la Flowmobile pour être sûr que tout va bien parce que voilà, on a eu un problème avec Marina de liquide de refroidissement, de chauffeur qui chauffait trop, mais la Flowmobile elle est quand même assez robuste, ces Dodge là ils sont faits pour durer donc normalement il ne devrait pas y avoir trop de problèmes sur ces côtés là. Oh, un train. Le train siffle toujours trois fois. Et deuxième fois. Et je vais faire checker en fait ce liquide de refroidissement et être sûr que la Flowmobile, quoi qu'il arrive dans les prochains mois, si je vais continuer à faire de la route ou peu importe, quoi qu'il arrive, que tout aille bien. Et je veux être sûr que j'en prends soin parce que je crois que la prévention pour un véhicule, c'est la clé pour la longévité d'un véhicule. Je vais me faire une petite séance de banjo, je crois. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti le banjo. C'est drôle parce que chaque fois que je tourne mes séances de banjo, que je les filme, eh bien, je joue moins bien au banjo, je trouve. Je sais pas, il y a une spontanéité qui s'enlève. J'ai trop conscience de la caméra. Avant, ça faisait ça juste pour parler à la caméra. Donc, je pense que c'est un domaine dans lequel on peut progresser. Parce qu'aujourd'hui, avoir une caméra, ça me dérange pas tant. Alors qu'avant, je me filmais jamais et c'était toujours les autres que je filmais avant que je commence cette chaîne YouTube. Donc je vais essayer de la filmer. Peut-être je vous ai partagé quelques images d'ici, je pense. J'aimerais faire... je pense que je vais vous en parler peut-être demain ou cette semaine. Je suis en train de lire plusieurs livres et je vais faire une petite chronique littéraire que je vais ajouter à cette vidéo. Vous parler du... vivre ensemble, c'est un sujet dont je parle depuis très longtemps, du vivre seul, vivre avec les autres, vivre plus lentement, etc. C'est très relié à la vie en van. Donc je vais voir si je peux vous faire une petite chronique de livres, de trois livres ou quatre que je suis en train de lire et dont j'aimerais vous parler. Donc je vais fermer la caméra là et je vais faire cette chronique-là quand j'ai un peu l'inspiration et que j'ai avancé dans ces livres qui parlent d'un sujet qui, je crois, peut intéresser pas mal de monde. Thank you.
Le premier livre dont j'aimerais parler, c'est un livre de Jean-Christophe Ruffin qui s'appelle Les Sept mariages d'Edgar et Ludmilla. C'est un livre, c'est son dernier livre d'ailleurs, de cette année, je crois, qu'il est sorti. Et pourquoi je l'ai choisi pour parler de la vie ensemble, c'est parce que, eh bien, il parle évidemment d'un mariage. C'est l'histoire d'un couple, l'histoire de deux individus qui vont se marier, eh bien, sept fois, enfin, six ou sept fois. Et c'est un livre super intéressant. Moi, Jean-Christophe Ruffin, je suis un de ses plus grands fans. D'ailleurs, il aime beaucoup le Québec. Il aime beaucoup venir en rando au Québec. Donc, Jean-Christophe, si tu nous regardes, viens au Québec, je te montrerai des randos et des escapades en kayak et en canot de folie. Mais trêve de plaisanterie, c'est un auteur que j'aime beaucoup parce qu'il il est très éclectique. Mais ce que je trouve encore plus intéressant, c'est qu'avec le temps qui passe, tous ses écrits deviennent de plus en plus personnels. Et j'ai été un peu bercé par, dans ma jeunesse par ces livres d'aventure et qui étaient très très bien écrits. Ce livre-là, je le trouve très intéressant parce qu'il est en partie inspiré de sa vie, mais dans le prisme de la fiction. C'est l'histoire d'un couple dans la deuxième partie du 20e siècle qui va un peu vivre sa vie en tant que couple et en tant qu'individu. Et donc pourquoi je l'ai choisi pour parler de la vie à plusieurs, alors que j'ai un autre livre qui est en train de s'envoler avec le vent. Pourquoi je l'ai choisi pour parler de la vie à plusieurs, c'est parce qu'il parle de la vie à deux. Et ce livre-là, au-delà du côté un peu loufoque de se marier cette fois et de divorcer cette fois, il parle en fait de comment, en tant qu'individu, il est très difficile de se réaliser quand on est avec l'autre. Parfois, certaines personnes, certaines personnalités ont du mal à réussir, à créer, à s'épanouir quand ils sont avec quelqu'un qu'ils aiment profondément pourtant. Et je trouve que ce livre-là, il parle très très bien de ce paradoxe-là de vivre ensemble, mais comment le vivre ensemble peut parfois empêcher l'individu de se métamorphoser, de progresser et de réussir. Parce que c'est drôle comment parfois quand on a des ambitions personnelles, des choses qu'on veut faire, qu'on veut accomplir, tant en tant qu'homme que femme, eh bien ça peut parfois aller à l'encontre de la vie amoureuse ou même de la vie à plusieurs. Il n'y avait plus trace en eux du tumulte que produisent les désirs inassouvis et les ambitions déçues. On sentait que la plénitude de leur vie, y compris la chute qu'ils avaient subie, libérait l'instant présent de toute inquiétude et de toute frustration. C'est toute cette complexité que Jean-Christophe Ruffin aborde dans ce roman qui se lit très très vite, je dois dire, et qui est parfois un peu, limite un peu cliché, certains raccourcis peut-être qui sont faits, mais c'est une fiction. Mais au-delà du côté fiction, je crois qu'il y a des très bonnes questions qui sont soulevées et auxquelles il répond et que je ne vais pas dévoiler. Au-delà de cette volonté de faire quelque chose avec quelqu'un, on doit parfois mettre de l'avant ses propres aspirations, et la question elle se pose à comment équilibrer, comment trouver un équilibre entre pouvoir vivre avec les autres tout en accomplissant les choses qui sont importantes pour notre vie. Donc j'espère que ça vous a donné envie de lire. Passons au suivant. Un autre livre qui a aucun rapport en fait avec ce dernier livre qui parle plus de mariage et de vie à deux, c'est, en fait je vais parler de deux livres en même temps. Un de ces livres, c'est un livre de Alexander Solzhenitsyn, ça s'appelle « L'archipel du goulag », et l'autre, c'est « La ferme des animaux » de George Orwell. Et en fait, ces deux livres, certes, ils ont une portée politique, mais je ne vais pas m'attacher sur cette portée politique-là. Je vais m'attacher plus sur leur sens et sur l'expérience humaine. C'est ça qui, moi, m'intéresse, au-delà, bien sûr, de la portée historique et politique et de tous les drames qui s'ensuivent de ces événements-là. Mais aujourd'hui, quand on lit ces deux livres-là, d'abord, vous connaissez sûrement tous La ferme des animaux, c'est l'histoire d'une ferme où les animaux se rebellent et réorganisent leur ferme selon leurs besoins et surtout selon leur propre chef. Sauf que, au fur et à mesure que les animaux reprennent le contrôle de leur vie, reprennent le contrôle de leur ferme et ne sont plus, et surtout aujourd'hui avec ces histoires de droits des animaux, de droits du vivant, ça résonne d'une manière encore plus profonde ce livre-là, mais il est plus sur l'aventure humaine, entre guillemets, où on a une réorganisation sociale de nos libertés, et finalement les animaux se retrouvent aliénés de nouveau par un petit groupe d'animaux qui, eux, sont un tout petit peu plus mesquins, c'est les cochons dans la ferme des animaux. Et en fait, ce qui arrive, c'est que progressivement, pour organiser le travail,
en collectivité, il va toujours y avoir dans l'histoire de... Oh, eh bien Merlin, viens Merlin, viens avec moi. Vous allez voir, c'est le chat le plus social du monde. Viens, viens-t'en, viens, viens. Et donc, pour réorganiser ce travail-là, les animaux vont accepter que ce soit les cochons qui les dirigent pour leur bien-être. Mais très vite, les cochons vont prendre le dessus et créer des nouvelles règles. Bye! Et créer des nouvelles règles qui vont aliéner de nouveau les animaux. Et pour moi, cette allégorie-là, je la vois plus comme quand on déconstruit un système, c'est très difficile de ne pas retomber dans les travers du système. Oh, à tes souhaits! Dès lors qu'il y a beaucoup, beaucoup d'individus. Et c'est là où l'un des défis de la vie en communauté, c'est quand il y a beaucoup de monde, par nature peut-être, il va y avoir des humains qui vont en faire moins, des humains qui vont en faire plus, des humains qui veulent diriger, des humains qui ont différentes façons de faire. Et c'est là où moi, dans mon idée, et vous me direz vous en commentaire, c'est quoi votre opinion là-dessus, dans mon idée, c'est là où la vie en communauté, elle est très difficile, parce que au long terme, il va toujours y avoir des gens qui vont... c'est un peu inévitable d'avoir tout d'un coup des gens qui vont se mettre au-dessus des autres ou en dessous. Et je crois que ce livre, c'est une bonne leçon. L'autre livre, c'est L'Archipel du Goulag. C'est un livre très long, d'ailleurs, j'en suis même pas au tiers. Et j'aimerais... Bon, bye Merlin. Et c'est un livre qui parle évidemment des camps du Goulag. Mais au-delà de ça, c'est plus montrer d'une certaine manière comment le système communiste du XXe siècle, pour créer des richesses et pour avoir en théorie une sorte d'idéal où tout le monde est égaux, tous les citoyens, le but de ça à la base, c'est ça, hein, théoriquement, que tout le monde soit égaux, pour qu'on arrive à cet idéal-là, eh bien, il faut aliéner d'autres personnes et il faut une force de travail qui va être coercisée, si on veut. Est-ce que c'est un mot, ça? Ou en tout cas, il faut imposer des camps de travail pour contrôler la population, mais c'est pour le bien-être de tous. Et c'est là où on voit que dès qu'on vit à plusieurs, il y a peut-être un nombre, j'en parlais dans une vidéo précédente, dans la densité de population, il y a peut-être un nombre qui est le nombre idéal, mais dès qu'on va au-dessus d'un certain nombre, ça devient très compliqué de ne pas aliéner toute une partie de la population et qui en vient à, dans l'expérience collective, l'idéal finalement d'une société parfaite où tout le monde est égal ne peut pas exister. Et c'est là où moi, dans ma vision du monde, je vois plus que c'est au niveau individuel qu'on peut changer les choses, ou au niveau c'est là où l'individualisme, j'y crois plus, mais ça veut pas dire chacun pour soi et Dieu pour tous, et c'est ma propriété privée et toi tu dois pas être là. Je vois plus ça comme des petits projets à petite échelle qui, à côté les uns des autres, peuvent interagir, mais pas nécessairement un projet qui implique tant de gens dans toutes les faces de notre vie. Je crois que ça, c'est un idéal je crois qu'on peut y croire encore, mais moi personnellement, je crois pas que c'est ça qui me, en tant qui a l'habitude d'être un peu libre et un peu vagabond et tout ça, et libre de penser, libre de tout l'esprit critique, c'est quelque chose qui est très important. Et je crois que dans une expérience collective de travail, entre guillemets, c'est très difficile, dès lors qu'on est plusieurs, d'arriver à quelque chose. Mais cela m'amène au quatrième livre, qui n'a pas vraiment rapport, mais c'est un livre d'aventure que j'ai beaucoup aimé. C'est de Michel Mouteau. Ça s'appelle Sequoia, et ça, en fait, ce livre, ça a mis en profondeur mon voyage aux États-Unis, parce que c'est un peu l'histoire au 19e siècle, dans le début du 19e, de gens, d'aventuriers de tous horizons qui vont de l'Est à l'Ouest dans une aventure incroyable. Et c'est là où on voit que accomplir une aventure qui va avoir des conséquences effroyables sur notre environnement, ce sont des baleiniers qui ont complètement détruit les populations des océans, et ils vont aller en Californie pour la ruée vers l'or qui va détruire des rivières et détruire
des peuples entiers et surtout détruire aussi, ça s'appelle séquoia, parce que le vrai or finalement c'est l'arbre et ces immensités que j'ai pu voir qui ont été décimées, ces immensités d'arbres dans l'Ouest américain et canadien qui ont été pour le bien-être de tous, pour le développement économique, parce qu'on était de plus en plus nombreux, eh bien ces arbres ont été complètement tous coupés. Mais ce livre, je crois qu'au-delà de... Il y a une sorte d'aventure humaine qui est très très belle là-dedans, où on parle de... On voit la coopération nécessaire pour arriver à un but humain ultime, mais chaque fois qu'on arrive à un certain but, c'est là où les individus vont se séparer et venir en conflit. Parce que dès lors qu'on est trop d'individus, il y a des gens qui sont mal intentionnés, des gens qui vont vouloir avoir de l'or, mais des gens qui vont réaliser que le vrai or, c'est, il y a une expression qui est très drôle, c'est les mineurs, ils minent pour de l'or, mais il y a des gens qui minent les mineurs, et c'est là où le vrai argent s'est fait. En partie, pendant cette ruée vers l'or, c'était l'idée de l'or, un peu comme la petite carotte qui a attiré l'âne, et bien c'est un peu l'idée de l'or était plus forte que l'or réel. Et c'est là où on voit que l'expérience collective, qui est que des masses entières de gens sont venus et c'est qu'ensemble qu'ils ont pu venir, elle finit par avoir des conséquences désastreuses sur nos environnements. Et je ne veux pas finir la vidéo sur une note si négative, parce que ce livre, je vous conseille, il est très très cool, c'est un livre d'aventure, ça se lit comme un film. La fin est un peu trop facile, je trouve, mais il fallait bien que ce livre ait une fin. Et donc, parmi ces quatre livres en fait, que j'ai lus en ce mois-ci, et je crois que ça ne nous dit pas grand-chose sur l'idéal, comment faire. Ça nous dit rien sur comment faire quand on veut vivre à plusieurs ou quand on a un projet ou quoi. D'ailleurs, dans une prochaine vidéo, je vais vous parler de mon projet de vivre sur une terre qui a beaucoup, 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 beaucoup d'écueils et de bâtons dans les roues. Et j'aimerais ça en parler avec vous. Ce serait vraiment cool de discuter de ce sujet-là pour tous ceux qui vivent de façon nomade mais qui aimeraient aussi vivre avec la terre aussi. Enfin, comment mixer les deux. Et de quoi je parlais? Tous ces lieux-là, on ne peut pas avoir de solution. La solution, elle vient de nous-mêmes, elle peut venir que de nos propres initiatives. Mais je crois qu'il faut toujours garder à l'esprit qu'il faut garder ça petit. Parce que dès lors qu'on implique trop de monde, dès lors qu'on implique trop de territoire, des intérêts vont venir à l'encontre de ce territoire-là et de ces humains-là qui sont engagés dans une expérience commune. Donc voici cette petite chronique littéraire. Alors ici je suis à Sherbrooke chez des amis, parmi mes meilleurs amis, et on est en ville, hein. On n'est pas vraiment à la campagne, mais ils ont une super maison où ils vivent à plusieurs, donc on parle souvent de ces sujets-là. Et il y a Merlin. Alors les poules en ce moment, elles sont d'habitude pas en cage, mais là vu qu'ils sont en train de tondre le gazon, il y a un petit truc, un petit poulailler mobile qui est très très cool. Petit Merlin, vous savez que je suis plutôt chien, mais Merlin il me convainc que les petits chats c'est des tueurs, mais ils le savent pas, puis ils sont trop cute. Ils sont trop tranquilles, à part quand ils chassent. D'ailleurs, je vais finir cette chronique par vous suggérer un documentaire de Arte qui s'appelle « Les chats, ces tueurs si mignons ». C'est un super documentaire sur l'impact de l'homme avant le chat, l'impact de l'homme sur l'environnement à travers les chats. Et donc voilà, je vous quitte avec mon ami Merlin. Ça va Merle? Ça va Merle? Donc voilà, en tout cas, moi je vous dis à la prochaine vidéo. La semaine prochaine, parce que j'essaie de faire une vidéo par semaine, parce que c'est cool de garder le contact, et portez-vous bien. Bye tout le monde!